c'est Apex machin. Vite sur Snap, vite. Voilà, j'ai pris en photo. Attends, il vient de caler une nuque et directement je suis sur Snap. Et bien. Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Vanguard. Et je sais pas pour vous, mais en ce moment, je kiffe rejouer à Call of Duty Vanguard. Après toutes les mises à jour qu'ils ont faites sur le jeu, qui est devenu bien meilleur, on va pas se le cacher. C'est juste dommage qu'ils ont pris autant de temps à régler tous ces problèmes. Mais je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo concernant toute la saison 3. Mais avant que la vidéo commence, cette vidéo est sponsorisée par Fortnite, le fameux Battle Royale gratuit. Et première des choses, ne jugez pas mon outfit. Ouais, je sais, c'est la honte. Fortnite sans construction vient de sortir et disponible à tous, et peu importe la taille de votre groupe. Étant donné que je n'ai pas d'amis, la question est vite résolue. Le fait qu'il n'y ait pas de construction permet un style de jeu plus agressif, plus intelligent et bien plus basé sur le gunfight, un style de jeu que j'affectionne plus particulièrement, sans parler de la nouvelle variété d'armes disponibles. Je recommande plus particulièrement le combo fusil d'assaut et fusil à pompe. Ouais, très clairement, c'est dévastateur. Validé par mes propres soins. Mais mon préféré reste le jetpack qui nous permet de nous déplacer plus rapidement et surtout nous permet de survoler nos adversaires. Regardez, il ne sait même pas où je suis. Il va mourir très facilement. Le karma. Plusieurs systèmes de déplacement rapide ont été mis en place comme la tyrolienne, les voitures ou carrément un canon. Un véritable canon, bordel! Peut te propulser où tu as envie. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer au jeu même si au final je n'ai pas pu faire top 1. Mais finalement mon manque d'expérience n'était pas un frein du tout. Alors tâchez de faire mieux que moi. Ce qui n'est pas si difficile que ça. Je remercie Fortnite de soutenir cette chaîne YouTube. Mais pour ce qui est de cette saison 3, j'ai ma classe fétiche. Ma meilleure des classes. Et mon gars, je t'ai sorti deux gameplays plus de 100 kills avec V2 roquettes et une nucléaire en 1 minute 45. Ce qui signifie 105 secondes. Avec la meilleure classe qui va dominer cette saison 3, la automate. Évidemment, je vais vous montrer d'abord les gameplays pour vous rendre compte à quel point ma classe est surpuissante. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau à cette chaîne YouTube et de défoncer la barre de like, je compte sur vous. Deux gameplays plus de 100 kills, 3 nucléaires en une seule vidéo. C'est le moment de défoncer la barre de like, mon pote. Tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures, je compte sur toi. Et surtout, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en penses pour le moment de cette saison 3 sur Call of Duty Vanguard et sur Warzone. Tranquille. Ta gueule. Tu peux arrêter de camper, mec. Quoi ? Je pas bien de camper. Oh, j'ai eu de la chatte, là. J'ai beaucoup de chatte. Oh, j'ai rejeté un kill des chiens, putain! Pourquoi ça. Pourquoi ils vont tous à droite là? Il y a un trésor, il y a 10 000 coins. Ben, c'est moi, j'étais en train de les soulever à gauche, du coup ils ont dit ouais, venez, venez, venez! Ah, y'en a un, il a sorti de la boucle. Ça c'est pas fait. C'est l'équivalent des mecs qui jouent RPG. Je les ai tous défoncés. Ok, j'ai les chiens déjà. Tu rigoles le fait que j'ai dit RPD, là. Voyons, on va voir un peu. Je suis immature, on va voir. Quoi? Non, j'ai raté le glitch, Tue-le. Bien vu, la mienne. Ok, tiens, informateur locaux. Genre, ces informateurs, ils sont locaux, quoi. Ouais. C'était une seule Suisse. Ils sont fous, ils sont locaux, quoi. C'est drôle ça. Bah oui, c'est drôle. Apex Legends, je suis en train de... Ah non, il est dernier de la game. C'est la même chose. Oh. Il est 9-17, wesh. Non, lui, c'est la chance. Non, je suis merde, je sais pas. Ouais, vraiment là, c'est un carnage là, ce que je suis en train de faire. Mon objectif, c'est Apex Legends. Maintenant que je m'appelle. Je suis. Bon, le mec à la batteuse, par contre, c'est abusé ce qu'il fait. Hein. Sa batteuse est trop forte. Il semble concentré, chaque Apex kill. Ok. Je crois que j'ai un kill. Y'a du monde qui vient de mon côté ou pas? Ouais, V2. J'ai la V2.
Non, c'est toujours le même qui m'a tué. Ça va tous de mort. Il y avait beaucoup trop fort. C'est le Dolly, il m'a tué 4 fois au moins. Il est en tir penché avec cette batteuse. Fais pas le con, s'il te plaît, balance-moi le drone. Ça va quand même un peu ma peau. Là, je suis en train de nous voler. Les spawn kills un peu bien violemment là. J'ai encore les chiens. Ouais, mais bon, d'accord, ok, toujours à ma trace. Ah, mais là, j'ai même pas ça pour rigoler, hein. 100% il jetait la molette. La molette. Ça va tout. C'est une putain de blague. Y'a que lui qui me tue. Ouais, je suis en bonne série là de nouveau. J'ai encore les chiens. On avait des alliés. J'ai les informateurs locaux. On s'en avait deux pour essayer de faire gagner un peu de temps. Ça reste mené à fond. Hein. Bullshit. Oh, tu vas pas me dire que j'aurais pas la double. Je crois que j'ai fait la double. Ouais, ils étaient tous en plus là-bas. Dommage. J'ai fait la double, j'étais en train de les défoncer, ça contre tofu. 116. Pour les bois, ça sera pas. Non, 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 je parle pas de toi. Parce que j'étais en train de recharger et j'ai attendu pour que tu me tiques. Mais il y a des gens, je dois mettre tellement de balles pour les tuer, c'est impressionnant en gros. T'as la droite. Ouais, bah non. Et... je dois mettre toutes les... je dois mettre toutes les balles du monde pour faire un kill. Tu l'as, il faut que je me casse. Ça commence à devenir un peu trop risqué dans le coin. Ça va venir. Mais tu viens d'où? Ah, c'est lourd. Ah, les alliés ont pris en triple cap là. Non. Ah, les alliés, arrêtez de toucher. Ok, j'ai les chiens. Je suis en train de les spawn kill d'une manière un peu violente là. Je
avec son bazooka pour se poser. L'allié qui a forcément pris la position. Forcément, t'es obligé de prendre à l'allié. Tiens. Merci le chien. Je suis en série 19. Vas-y, viens. Touché. Putain, il a failli me la mettre parce que je le pré-shoot, hein. Ah, la fusée, les deux. Quelle arme ? Automate. Et je crois que de nouveau plus de 100 kills. Hein. Ouais, je... Très bon, Denise. Ah, il nous a mis. Allez, let's go. Ah, ça va faire peut-être un 115, je sais pas. Ouais, 115 kills. 99 kills. Ah non, c'est bon. Aussi, hein. 111 ouais, 111. Ok, premier kill, deuxième. Ok, vas-y. Pas moi. Ok, on va essayer un peu d'avancer. Toi, t'es mort. Ça commence à devenir chaud, cette histoire. On a les chiens. Je suis un peu en train de les exploser, là. Un tout petit peu. Ouais, bon, c'est bon, les explosions toutes les 2 minutes, là. C'est marrant. C'est marrant, 2 minutes, là. Ok. Je suis en train de les défoncer. Allez, vas-y, viens. Ok. Brutal. Oh, ça commence à devenir chaud. Oh putain, ce que je leur ai mis là. Oh, c'était dur là. Oh mon dieu, le bordel. Oh mon dieu. Elle est venue de nulle part. Oh putain, je sais pas en combien de temps je l'ai mise. Elle doit être magnifique. Ah, il y a un mec qui m'a reconnu. Voilà, j'ai pris en photo. C'est après tout machin. Vite sur Snap, vite. Vite. Attends, il vient de caler une nuque et directement je suis sur Snap. Et bien, the win of cheater. No cheat, mon gars. Voilà, j'espère que ces 3 gameplays vous auront plu. N'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu si ce n'est toujours pas le cas, mon gars. C'est super important, tu m'aides au niveau du référencement et c'est gratuit. Au niveau de la best class setup, j'ai donc choisi de prendre le silencieux MX. Évidemment que vous pouvez changer en mettant le stabilisateur F8. C'est au choix, mais je préfère très clairement le silencieux MX. Au niveau du canon, faut très clairement mettre le dernier canon. Ça ne sert à rien de mettre autre chose. Le déflecteur ardoise, comme d'habitude. Au niveau de la crosse, on met la crosse squelettique. Après, poignée ferme, chargée à bloc,
super important. Poignée en tissu, tout simplement pour la visée accélérée, étant donné que je le perds avec le silencieux. Le dernier déchargeur, le 50 cartouches, qui fait toute la différence. Je mets les subsoniques, mais vous pouvez changer éventuellement avec la vitesse des balles. Personnellement, je préfère subsonique. Et je mets évidemment la marque squelettique, qui est pour moi la meilleure des poignées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis bye et à la prochaine. Peace out! Attends, t'es toujours pas abonné là? Bah tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like. Et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublies pas de checker les autres vidéos.